exposition qui donc, aborde le travail de Camille Jourdi et le mien. Donc il y a vraiment deux étages et dans le premier étage, on a d'un côté toute l'œuvre de Camille avec ses premiers livres jeunesse jusqu'à en passant par Rosalie Bloom, Juliette et en arrivant au Vermeil et ses collaborations avec différents scénaristes. Donc tout ça c'est très coloré avec la poésie de Camille dans ses couleurs et sa lumière très spécifique. Et de l'autre côté, au premier étage, il y a tout mon univers à moi qui est fait de petits traits, de milliers de petits traits obsessionnels, tout en noir et blanc, dénué de couleurs mais avec plutôt des motifs de nature qui se répètent un peu partout. Et en fait on a deux parcours comme ça et au bout on se retrouve dans une salle où c'est ce qui réunit Camille et moi dans nos univers, les thèmes qu'on a en commun, l'émancipation de la famille, l'hypocondrie, le voyage, le motif, le trait, enfin voilà. Donc c'est une salle de thèmes où on mélange nos planches, les siennes et les miennes. Et au second étage, c'est en fait la rencontre que notre éditeur nous a proposée justement à travers ce livre, de mêler nos dessins à toutes les deux et de vraiment faire un livre à quatre mains pour les enfants autour, en prenant son personnage de Nook, la petite fille chat des Vermeils, et mon personnage de Bartok Biloba, tiré de ma famille Biloba de Taupe. Et en fait, on les a fait se rencontrer, jouer à cache-cache, se chercher ensemble, et on a dessiné à quatre mains ce petit livre. Et en haut, on montre le processus de ce livre, comment il a été fait, parce que c'est pas juste les décors de Camille et mes personnages collés dessus, en fait, on a vraiment dessiné toutes les images ensemble.